بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ينفعنا. أما بعد، فما زلنا بتوفيق الله عز وجل مع مختصر سيد خليل بن إسحاق الجندي المالكي المتوفى سنة 776 للهجرة. Nous étions avec le Mukhtasar de Sayyid Khalil ibn Ishaq al-Jundi al-Maliki, décédé en l'an 776 de l'Hégire. Nous avions commencé à mentionner un certain nombre de choses qui sont impures. Comme je vous le rappelle ici, ce sous-chapitre est consacré à la mention des substances qui sont impures. L'auteur, rahimahullah, après avoir mentionné dans la feuille précédente des choses qui sont impures, sous la forme d'une liste et sous la forme de règles qu'il a édictées, afin de bien les délimiter, maintenant, il s'occupe de mentionner les choses qui sont impures, de sorte à lister, encore une fois, ou à donner des règles, telles que des choses qui n'ont pas été mentionnées dans les points précédents. Donc, tout ce qui n'a pas été mentionné dans les points précédents parmi les choses pures, ce sont des choses qui sont impures par déduction ou par utilisation de la règle. D'accord? Tout ce qui sort du jugement de la pureté, c'est quelque chose qui est impur. Soit quelque chose est pur, soit elle est impure. Nous avions donc commencé par mentionner les choses qui sont impures parmi les restes d'êtres vivants, puis les choses détachées du vivant. D'accord? Maintenant, nous sommes arrivés à sa parole, rahimahullahu ta'ala, parmi les fluides issus du vivant sont impurs d'eux-mêmes. Le liquide séminal, manille, le liquide pré-éjaculatoire, mavi, le wadi, le pu seul, ainsi que le pu d'une blessure, ainsi que les résidus issus d'un organe génital d'un animal licite à la consommation. L'auteur, rahimahullah, ici commence par mentionner, parmi ces choses fluides issues du vivant, le liquide séminal, manille. Pour l'homme, c'est le sperme, et pour la femme, c'est très probablement ce qui est sécrété par sa glande pré-urétale. Ces deux substances-là, pour l'homme et la femme, ont beaucoup de choses en commun. En arabe, ces deux substances, venant de l'homme ou de la femme, sont nommées manille, souvent traduit en français par sperme, alors que sperme en français ne s'utilise pas pour la femme. Du point de vue de ce qui est désigné par manille, c'est celui de l'homme et de la femme. Ces deux sont impurs. C'est ce qui sort lors d'un plaisir majeur, tel que le plaisir maximal lors d'une relation charnelle, d'accord? Et c'est quelque chose qui sort par à-coup, d'accord? Ce liquide-là, il est épais, il est blanchâtre, alors que ici le mavi qui est mentionné, donc c'est pas le mavi, c'est le mavi, comme le wadi aussi, pas wadi, c'est wadi. Mais bon, il existe des formes où il y a mavi et wadi, le plus répandu étant mavi et wadi. Alors le mavi, quant à lui, de manière différente du mani, ce mavi sort en cas de plaisir mineur, pas de plaisir majeur. Et souvent, il précède le summum du plaisir lors d'un rapport charnel, ou sinon lorsque la personne, pendant la journée, a un désir, ou lorsque elle pense à quelque chose qui lui suscite un certain plaisir ou un certain désir, ou tel que cela. Ce mavi est un liquide qui est fin, d'accord, alors que le mani, il est épais. Le mavi aussi a une couleur blanchâtre, mais le mavi ne sort pas par à-coup. Quant au wadi, c'est quelque chose qui est plus épais, aussi d'une couleur blanchâtre, mais qui sort généralement après un passage aux toilettes, d'accord? Ou parfois de manière plus rare aussi, suite à un effort assez important et soudain, comme le fait de soulever une charge importante. Le pu seul, lui, donc al-qayh, ainsi que le pu d'une blessure, as-sadid. En arabe, ici, on fait simplement la distinction entre le pu seul, distingué de toute autre substance mélangée à lui, du pu d'une blessure qui lui est mélangée à du sang. Donc le premier s'appelle qayh, le deuxième s'appelle sadid. Les deux sont impurs. Ainsi que les résidus issus d'un organe génital, d'accord, rutubat ou farjin, d'un animal illicite à la consommation. Ok. Donc que se passe-t-il ici pour ces résidus d'un organe génital? Ils ont le même jugement que l'urine et les excréments de l'animal qui est illicite à la consommation, d'accord. Donc ils sont impurs. Ces trois choses-là, l'urine, les excréments et les résidus d'un organe génital,
Ils sont impurs s'ils sont issus d'un animal illicite à la consommation. Quant à l'animal illicite à la consommation, encore une fois ici, eh bien ces résidus, ils sont purs, tant que cet animal licite ne consomme pas habituellement des choses impures. Allahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam.